Hey, t'as vu, grand crabe? On est bien dans l'eau, hein? Ah oui, on est vraiment bien. Mais tu veux peut-être qu'on raconte comment tu as réussi à y aller pour la première fois? Ah oui, très grand crabe, raconte-nous ça. D'accord, petit crabe. Je vais donc vous raconter l'histoire de petit crabe qui est allé pour la première fois dans le grand océan. Pas de panique, petit crabe, de Chris Autumn. Petit crabe et très grand crabe vivent dans une simple mare. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller voir l'océan. Ça va être trop génial, dit petit crabe tout excité. Ils escaladent les rochers. Flip, flap, traversent les flaques. Et splotch, splotch, avancent sur les algues gluantes et glissantes. Et je peux aller où je veux, dit Petit Crabe. Les voilà enfin au bord de la falaise. Nous y sommes, explique Très Grand Crabe. L'océan. Oh, murmure Petit Crabe. Peut-être que c'est plus prudent de rester là, suggère Petit Crabe. Pas de panique, Petit Crabe, dit Très Grand Crabe. Tout va bien se passer. Mais les vagues s'approchent. Regarde, il y en a une grosse qui arrive. Accrochez-vous bien, la voilà! Plash! Je crois que j'ai eu assez d'océan maintenant, dit Petit Crabe. Pas de panique, petit crabe. Descendons juste un peu plus loin, propose Très Grand Crabe. Je pense que tu vas adorer. Mais les vagues se rapprochent encore et encore. Une autre! Accrochez-vous bien! La voilà! Je crois que je n'aime pas l'océan, dit Petit Crabe. Peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Pas de panique, petit crabe, le rassure Très Grand Crabe. Je suis là, avec toi. Viens, encore quelques pas. Petit crabe fait un pas, puis un autre, jusqu'à... Je suis dans l'océan, crie Petit Crabe. C'est alors qu'il voit une énorme vague. Elle se rapproche, elle grossit, encore et encore. Prêt? Demande Très Grand Crabe. Petit crabe opine de la tête. Ils prennent une profonde inspiration. La voilà. Splash! Tout en bas, ils plongent. Regarde, petit crabe. Tout le monde vient à leur rencontre. Je m'appelle Petit Crabe, dit fièrement celui-ci. Ils dégustent des algues délicieuses, font la course comme des fous et organisent une partie de cache-cache géant. J'adore l'océan, lance Petit Crabe. Oui, mais il est temps de rentrer à la maison maintenant, dit Très Grand Crabe. Déjà? Mais je ne veux pas rentrer, moi, dit Petit Crabe, mécontent. Et si on prenait la route qui va sous l'eau? Propose Très Grand Crabe. D'accord. Est-ce que tu crois que je peux aller par là? Demande Petit Crabe. Je crois que tu peux aller où tu veux,